Dimanche 9 avril, Laurent Ruquier a accordé un entretien au JDD. L'animateur de France 2 et RTL a évoqué sa plus grande décontraction, notamment vis-à-vis du couple qu'il forme avec Hugo Manos. Moins soucieux de son image, le patron des grosses têtes est davantage dans le lâcher-prise. En 2018, un Laurent Ruquier alors célibataire s'intéresse à des programmes de remise en forme et s'adresse alors à un coach sportif par le biais des réseaux sociaux. Un jeune homme de 25 ans, son cadet, Hugo Manos, qui est désormais son compagnon depuis près de 5 ans. Si est-il vrai, j'étais célibataire à cette époque. J'ai toujours été attiré par la beauté. Et il est très beau, confiait l'animateur dans les colonnes de Gala en février dernier, alors que les tourtereaux faisaient la couverture de nos confrères. Cette semaine, si est-il dans les colonnes du journal du dimanche que le patron des grosses têtes sur RTL a fait quelques confidences sur sa nouvelle vision de son image et de son couple. Non sans évoquer des sujets d'actualité comme l'affaire Pierre Palmade et le silence, compréhensible selon lui, de son ami Muriel Robin. Je suis moins dans la retenue qu'il y a une dizaine d'années. Laurent Ruquier s'est également laissé aller à quelques confidences sur sa carrière, notamment ses regrets concernant la nouvelle émission du samedi soir sur France 2. Quelle époque, j'aimerais avoir eu la même aide de la chaîne quand on faisait On est en direct les deux dernières années, c'est-à-dire ne pas avoir un téléfilm face à moi sur France 3, a-t-il notamment pesté. Si son aventure télévisée a connu quelques remous ces dernières années, l'animateur surfe en revanche sur la vague du bonheur concernant son couple. Faire la une de Gala avec mon mec, ça m'a fait plaisir. L'époque a changé. Et moi aussi, je suis moins dans la retenue qu'il y a une dizaine d'années. Je n'ai plus rien à prouver, ma carrière est faite, mon image n'est pas trop mauvaise. Il n'y a plus d'enjeu, je me fais plaisir. Je suis en lâcher prise, je peux me permettre des cascades. Mais je ne participerai pas à Fort Boyard pour autant, a-t-il plaisanté en promettant cependant d'autres surprises. Adieu les complexes, bonjour le Laurent Ruquier version nature.